internaute, ça fait plusieurs jours de rando qu'on fait là, tu vois. Il commence à faire chaud, je me suis mis en mode décapotable là. Et une des subtilités du voyage que moi j'aime beaucoup, c'est que ça faisait plusieurs jours qu'on était au milieu de nulle part, et boum, hein, en plein milieu du monastère, qui c'est qu'on rencontre? Eh ben nos potes là-bas, ils cavalent comme des petits balmiers aussi, ils cavalent. Eh ben des potes, des petits d'autres voyageurs. Et c'est ça que j'adore, tu vois. Tu crois que t'es tout seul au milieu de nulle part, et tu rencontres d'autres gens, donc on va continuer le voyage avec Fabrice et Maya. Et puis on va aller découvrir la steppe encore un petit peu plus profondément dans la Mongolie. La douche, c'est pas un thème récurrent. Si tu veux, avec les morceaux de gaz qu'il y avait dans la rivière pour se motiver, c'est pas toujours facile. Et vu que ça fait 5 jours que je me suis pas vraiment lavé, là je me suis motivé, il y a un beau spot. C'est parti, ok, allez, on y va. Une tempête de sable. Le problème, c'est que toi, j'étais pas trop équipé, donc la tente qu'on m'a filée, bon, elle est pourrie en fait, hein, et tout qui me tombe sur la gueule. Heureusement, c'est moi qui ai les provisions, parce que les autres, ils peuvent pas voir. Ils m'ont laissé tomber, mais moi, je m'en fous, j'ai la bouffe. Bon, internaute, après cet épisode, je dirais très venteux, il est temps de faire un point sur l'équipement, sur le matériel. Alors, faut savoir, quand tu fais une rando à cheval, t'as deux possibilités. Soit tu vas en tente, comme j'ai fait, pour des points budgétaires, c'est quand même plus intéressant, ou tu vas en yourte. Donc, on va se focaliser sur l'aspect tente. Donc, moi, par exemple, vu que je suis arrivé à l'arrache, on m'a filé du matos pourri, hein, voilà, comme cette magnifique tente, mais qui a fait tout à fait l'affaire. Donc, j'ai mon sac de couchage et je dors sur les tapis de chevaux. Hein, faut savoir que c'est bien pour isoler. Mais le problème, c'est que c'est un iatique. Et ça, faut faire gaffe. Tu vois que le réchaud, fabrication année 1970. Mais bon, voilà. L'organisation impeccable, je dirais presque germanique, hein, de nos sacs de provisions.
Et maintenant, on va voir un autre exemple de mecs qui, eux, ils sont équipés, ils font du trek. Je vais te montrer un petit peu l'équipement de mon pote Fabrice et Maya. Tu vois, là, tout de suite, là, on est sur la tente. Tente aérodynamique, alliage en titane, cloison amovible, option chambre d'enfant, chambre d'amis. Là, on est sur du réchaud, attention. Hein. Là, t'as de la bonbonne d'essence rechargeable. Petit pare-vent pour ne pas avoir aucun problème au niveau de le réchauffement de l'eau. Là je peux te dire, les mecs sont équipés. Je te parle pas de leur lit de place où tu peux dormir par moins 15, et ils ont même des matelas gonflables. Donc après, internaute, à toi de voir comment tu veux dormir, comment tu veux t'équiper. Je t'ai montré deux exemples, à toi de voir. Mais bon, je t'avoue que quand je les vois là à côté, dormir à côté de moi, je me sens un petit peu comme Mario, et puis moi je suis un peu dans le côté favela. À toi de voir.